Et mesdames, messieurs, bonjour, ici Alex Shaft. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Big Pharma, qui est l'épisode de la vie, l'épisode de la santé, l'épisode du Médoc et l'épisode du Pharm. Eh bien, je dis bien du Pharm aseutique et non... Du farm comme le farming, hein, puisque non, nous ne plantons rien dans cette série, nous faisons que créer des médocs à partir de plantations et d'ingrédients principalement. Alors la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur la création d'un médicament et aussi sur le fait qu'on a été passé au positif. Alors je vais remettre sur play pour le new coup. Loan available. New quoi ? Research complete. Oh, research complete. Parfait, allez à la recherche, ça c'est magnifique. Écoutez, messieurs, dames, nous avançons petit à petit à côté de l'autoclave. Je suis pas trop chaud pour embaucher une nouvelle personne dans les personnels. Ici, on les a tous retirés, on a plus aucun explorateur. Par contre, au niveau de la recherche, les scientifiques, on va devoir sacrifier du pognon. On va pas le faire pour le moment parce qu'on a besoin de notre argent pour créer des remèdes. Donc on va essayer de faire un autre remède, je pense, ça peut être intéressant. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Parce que pour le coup, c'est très très important. Alors nous avons ceci qui nous rapporte quand même pas mal, faut avouer. Qui soulage les ulcères d'estomac. Nous avons celui-ci qui supprime les verrues. On a... What? Il s'occupait pas des femmes... des femmes. Alex, retourne dormir. N'importe quoi. Il s'occupait pas du contraceptif féminin. Voilà, c'est pour ça que je disais femme. il me semblait qu'on avait ça avant. Pourquoi on l'a retiré? Ah, parce que, attendez, oui, parce qu'on est revenu sur... oui, ça y est. Oui, je ne tourne pas cet épisode à la suite du dernier, donc c'est pour ça. Ok. Ok, bah là, on gagne plus de sous. Que je suis délire. Messieurs, dames, comment ça se fait qu'on gagne plus de sous, là? C'est pas normal, ça? Dis donc. Qu'est-ce qu'on utilise beaucoup comme machine? Est-ce qu'on a moyen d'améliorer nos machines au passage? Il nous faut 2 de recherche, ça va arriver. Pour améliorer quoi? Qu'est-ce qu'on utilise le plus? Le ioniseur, apparemment, on l'utilise pas mal puisque je l'ai amélioré en premier. Ouais, l'ioniseur, c'est assez fréquent. Le dissolveur aussi. Le dissolveur, ça peut être intéressant d'améliorer le dissolveur. Donc on va l'améliorer, comme ça va nous rapporter un peu de sous. Voilà. Plus 1, c'est tout. Oh là là, c'est ridicule. C'est ridicule, messieurs, dames, nous gagnons pas grand chose. Alors, écoutez. Ah voilà, ça remonte un petit peu. Donc, écoutez, on va faire quoi comme médoc? Celui-ci? Ça me paraît pas mal, je crois qu'on en a pas fait. On a fait les remontées acides. Traitement du diabète, voilà, on a fait ça. Soulager les ulcères d'estomac plutôt, on a fait ça. Verrues, traitement du diabète, donc il nous faut ça. Ce serait pas mal. Donc c'est parti, écoutez. C'est parti, mon kiki. Alors, on va importer ici. Donc c'est lequel qu'il nous faut? C'est celui-ci. Non, faut pas l'améliorer, il faut l'importer, s'il vous plaît. Ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Alors, on peut l'activer en l'augmentant de 1. Donc vous savez quoi? Je pense que c'est ce qu'on va faire parce que ça va nous rapporter un peu sans trop se casser la tête. Voilà, tout simplement. Ça va pas nous coûter trop cher comme ça. Oui, parce que l'argent avant tout, messieurs, dames, hein, la santé après. Hein. Le mec qui n'a pas du tout, mais pas du tout, de... Bah, qui
qu'il a aucune émotion pour qu'il a aucune pitié avec ses clients, quoi. C'est là, c'est clair, là. Là, c'est clair et net qu'on n'a pas de pitié avec nos clients. On s'en fout totalement. S'ils crèvent, ils crèvent. En tout cas, on leur a vendu le médoc. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ouais, ça nous fait un profit de 70. Quand ça va passer là-dedans, ça va faire 23 de plus, je crois. 23 euros en plus. Normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Montre-moi ce que ça donne. Ah non, même pas. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous remarquerez. Messieurs, dames. Alors, toujours pas puni, allergie. Je sais pas quand, on prend. C'est parti, rapport du pognon. Oh là là, on est en moins 8. Ah, mais ça va, on a réaugmenté. Oh, oui. Ça fait plaise. Bon, alors, vu qu'on est à ça, alors on va attendre que ça fasse un peu plus, là. On va augmenter l'agglomérateur. Ouais, parce qu'en plus... il nous coûte cher, hein. Hop, voilà, comme ça va augmenter un peu notre argent. C'est bien, on réaugmente au niveau pognon. Voilà, ça va diminuer un petit peu, mais c'est pas grave, c'est histoire d'en avoir 3. Et on va les mettre ici. Voilà, c'est parti, comme ça ils vont travailler pour quelque chose. C'est pas mal. Est-ce que ça a augmenté? Non, ça a 70, mais c'est pas grave, on est à un bénéfice de 56, ce qui est en soi plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut acheter ce terrain-là, hein, c'est à peu près la fin de ce côté-ci, donc ouais, on va le faire à partir de là. Tant qu'à faire, on a les sous, donc allons-y. Que pouvons-nous faire maintenant en remède? Sachant qu'on est plutôt bien. Oui, bon, d'accord, ça on s'en fout. Une vague de haute pression, machin... Ok, donc ça, il va nous falloir l'autoclave, mais je pense que ça pourrait être intéressant par la suite. Bah écoutez, là j'ai envie de dire, pour l'instant, on a pratiquement tout fait. Donc, ouais. Après, ceci dit, on peut regarder pour que ça nous coûte moins cher. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ces trucs-là, quoi? Parce que là, on le diminue vachement quand même. De base. Ah, mais c'est parce que... on supprime l'effet, non? Ouais, on veut le descendre absolument. Sans forcément... Attendez, il est à combien de base? Il est à 7. Ouais, c'est parce qu'il faut le monter à 13. Ou à 17, et ensuite, ça va le supprimer et... Sinon, on le garde dans la constipation, ça va peut-être nous rapporter un peu de sous quand même. Quoique, attendez. 50, 40. Ouais, non, ça vaut quand même le coup, hein. Ça nous rapporte plus à la sortie, donc ça, celui-là, on peut rien dire. Moins 35, plus 43, plus 13. Et à la fin, ça nous rapporte combien? Ah, attendez. Ça rapporte quand même plus ici, hein. Celui-là, j'ai envie de dire, il sert à rien, hein. Ça fait que nous diminuer notre... Donc on va supprimer cette machine. Vendre. Tac. Voilà, ça va être plus rentable, les gars, là. Largement. Parce que, même si on garde l'effet de nausée, la nausée, je pense qu'elle n'est pas à son maximum en force. Cependant, la verrue, le supprime les verrues, il doit être quand même assez, assez proche. Tout de même. Donc là, on est à 48, 42. Ouais, je pense qu'on gagne un peu plus. Soulage verrue, ouais. Par contre, ça soulage pas le ventre, hein. Ça, c'est clair, hein. Ouais, ça nous... Quoique, puis quand même. Ouais, ça nous augmente un peu, je sais pas. Ici, combien on a? Là, c'est une catastrophe. Là, ça rapporte 61. À la fin, ça nous rapporte combien?
123, ouais, voilà, ça c'est largement rentable, ça. C'est plus que rentable, eh. Vous avez vu combien ça nous... Ouais, c'est... C'est à péter. 61. Ouais, ça c'est super. Bah écoutez, on est au max de ce qu'on peut faire pour l'instant. Ça nous rapporte masse thune. Masse boulasse, A donc ça c'est competitor parfait. has released a new product. Oui, toi on s'en fout, tu peux râler autant que tu veux, j'en ai rien à bouler. J'en ai rien à péter. Là, il nous reste quand même pas mal à rembourser. Et on n'a pas suffisamment pour le faire. Donc bon, c'est pas très grave. Mais au moins comme ça, on est quand même dans le positif. Donc ça, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. On est limite prêt à employer une nouvelle personne parce que 30 euros par jour, on est bon, hein, j'ai envie de dire. On a de quoi en embaucher quelques-uns. De toute façon, je pense qu'on va devoir en embaucher un pour l'autoclave en fait. Donc c'est ce qu'on ferait. Si ce qu'on ferait, c'est ce qu'on fera. Et puis on pourra les garder pour nous faire des points en plus. Et des bonus. Soulage les ulcères d'estomac. Est-ce qu'on aura de la place après pour... C'est lequel qui fait ça? C'est celui-là, hein. Ouais. Ouais, on aura de la place largement. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après? En fait, j'ai acheté ce morceau de terrain-là, mais pour l'instant, on n'a rien à faire, hein. Il nous reste plus qu'à regarder, hein. Il ne reste plus qu'à regarder. Terminé en 11 mois. Ah, ça fait même pas 11 mois là. C'est marrant ça. C'est marrant ça. Alors lui. Putain, lui il a quand même de sacrés trucs, hein. Moi, c'est moins stable que moi, quoi. Valeur actuelle. Il a beaucoup de dés. Ouais, moi j'en ai aussi, mais lui il a quand même un dé moins, hein. Il a des C aussi. Bon, moi aussi, moi j'ai un C plus. Un petit peu plus d'avantages que lui. J'en ai pas beaucoup qui rapportent des effets secondaires, lui. Après, comment s'appelle le produit? Non, ça on s'en fout. Après, est-ce qu'il y en a atteinte de nausée? Sur 58, il n'y en a eu que 12. Et il y a eu 17 de virus supprimés. Donc, ce qui est quand même, j'ai envie de dire, plutôt pas mal. Valeur du médicament. Ouais. Ça c'est super efficace, ça. Traitement du diabète. Ça c'est parfait, ça. Chat parfait. Chat parfait, chat parfait. Bah écoutez, hop, petit accéléré, on peut se le permettre. Parce que sinon ça va durer 3 heures. Et je pense que je vais faire une petite pause le temps que ça me termine tout ça. Donc, quoique. Pas forcément, à pas faire de pause, on fera une pause juste après. Vu que là c'est bientôt fini. Hop, perfect. Alors là, ici, il nous en faut combien? Il nous en faut un de plus, donc on va en engager un. Voilà, ça nous coûte un peu plus cher, mais on reste dans le positif. On est bien. On va attendre qu'il nous rapporte un petit peu de points. Voilà. Comme ça, on va améliorer autre chose. Les évaporateurs, est-ce qu'on en utilise beaucoup dans notre usine? On en a un là. Un ici. On en utilise deux. Ça dépense combien? 9. En fait, c'est ça qu'il faut améliorer là. L'agglomérateur, il nous coûte cher. Ça coûte une blinde. C'est combien? 29, comme ça d'ailleurs, hein, comme le ioniseur, c'est pareil. Ouais, c'est principalement. En fait, on en a deux de chaque, donc ouais, il faut améliorer ces deux-là, quoi. Bon, de toute façon, on peut le faire. Là, on a 3 points, il nous en faut combien? Attendez, l'agglomérateur qu'il faut améliorer, il nous faut 4 points. Bah écoutez, on va faire ça. Je vais attendre que mes points augmentent un peu. Et comme ça, on améliore ça ensemble. Et puis, on va mettre en marche l'autoclave. Ça peut être pas mal.
Je vais même faire une pause et je vais augmenter ça. Améliorer les. Donc l'agglomérateur ou l'ioniseur, attendez. Ouais, c'est pareil, donc l'agglomérateur en premier, on fera le. Je vais faire le ioniseur, donc je vais attendre que mes points augmentent. Je vais lancer l'autoclave et puis une fois qu'on arrive vers la fin de la recherche de l'autoclave, et ben je vous rappelle tout de suite. Allez, petite ellipse. Alors, je vous reprends. Donc, j'ai amélioré, comme j'ai dit, l'ioniseur. L'autoclave, je suis en train de le charger, il n'a pas terminé. Cependant, je me suis dit qu'on pouvait faire un truc en attendant. C'est au niveau ici. Pas modifier ce qu'on a déjà, mais d'en recréer une nouvelle chaîne de production de médicaments et d'en créer une pour toujours la même chose, l'antihistaminique. C'est compliqué à dire, l'antihistaminique, voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai dit. Antihistaminique, voilà, antihistaminique. Ah oui, ben en plus j'essaye de lire là, mais en fait c'est marqué là. Très bien, Alex, très très bien. Antihistaminique, donc, de recréer le même médicament, mais d'essayer de l'améliorer, parce que j'ai regardé ici, et en fait, vous voyez que notre médicament qui est puni allergie, il est moins utilisé que notre concurrent. Vous voyez, lui là, Katana Tech, là. Katana Tech commence à m'énerver. Commence à m'énerver sévère, lui. Ah, je m'embête avec ça. Donc, ça serait bien de réaugmenter ça. Et je pense que pour réaugmenter nos clients, le nombre de clients, donc, ça serait bien, c'est de supprimer, si on peut. Oui, on peut le faire. De supprimer ça. En plus, c'est pas trop cher à faire en soi. Regardez, on a 2 de concentration. Attendez, on le récupère à combien? Ouais, il faut le faire monter de 3. Et ensuite, avec un dissolveur, hop, on le diminue de 1. Parce que là, c'est bien rentable au premier truc. Donc, je pense que ça peut être une bonne solution de recréer un deuxième truc comme ça. Donc, on va le faire ensemble. Hop, je prends ceci. On va faire l'export ici. Donc, d'abord. Il faut augmenter de 3. Donc pour ceci, il nous faut ça, l'agglomérateur. Hop. Tac. Parfait. Vas-y, fais-nous passer tout ça là-dedans. C'est bon. On va le faire diminuer de 1 avec le dissolveur. Pour le coup. Si on fait ça comme ça, est-ce que ça nous prend pas trop de place? Je pense pas. Hop, voilà. Ah, ça calme l'insomnie du coup. Ah, ça nous a changé aussi notre. Très bien. Je sais pas tout à fait ce que je voulais faire, mais bon, ça supprime. Ah, mais dans tous les cas, ça fait le même effet pour les deux en fait. Ah, c'est parce qu'il est à 4. D'accord. Alors attendez. Déplacer. Ça va pas du tout alors. Ouais, mais non, c'est pas grave en fait. Ça va nous faire un autre médicament. Je sais pas si ça va être rentable. On peut le faire, hein, c'est pas un problème. Ça nous rapporte quand même, hein. Ça peut nous rapporter. Donc du coup, là, il faut qu'on l'augmente. Il est à 3. Il faut qu'on aille jusqu'à 12. Est-ce qu'on le fait? Ça sera pas rentable. On va pas le faire. On va pas le faire. En revanche, ça c'est rentable. 48. C'est la même chose. Il y a les fourmillements qui sont activés, mais c'est pas grave. Moi, je propose, c'est que. On va voir si ça nous rapporte des sous en plus. C'est pas con ça. Attendez, ben on va le faire. Hein. Oh, ça serait trop fort ça.
Vous savez, on est des gros arnaqueurs, on fait plusieurs fois le même médicament et ça nous rapporte quand même de l'argent. Ça serait fou ça quand même. Product name required. Ok. Allège, histamétie, mais je sais pas quoi. Ouais, ça nous rapporte des sous, ouais. Waouh. Ah ouais, c'est ça qu'il fallait faire. C'est le même médicament, mais c'est pas grave. Pff, allez hop. Ça rapporte plus de sous comme ça. Ok, bah c'est parfait. Ah, on a l'autoclave. Ça, c'est nickel. Ah, ça va être intéressant. On achète ça, c'est parti. Hop, c'est parfait. Oula, petit bug jeu. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait? Le jeu qui a décidé de me dire fuck that. Bon, on gagne pas mal de sous là, ça fait plaisir. 116. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut persévérer. Voilà, j'ai perdu. Bon, certes, j'ai perdu une fois quand même. J'avoue, mais bon. Mais bon, hein, faut pas un moment. Faut pas déconner. Ça, ça peut nous faire un bon petit bonus. Ça, c'est pas énormissime. Cependant, ça, moi je dis oui. Hein. Allez, hop. Regardez, ça va augmenter encore. Ouais, c'est bien. On est bien. Donc, ceci dit, on a l'autoclave, c'est cool. Cependant, parce que je veux garder le suspense, et ben on fera ça à l'épisode 6. Parce qu'aujourd'hui on a fait pas mal de trucs. On s'est augmenté. Ah bah ouais, les mecs. Hop, on est en vacances. On est en vacances. Oh là là, c'est parfait ça. Regardez ça comment ça augmente. Ah mais ça y est, on a fait. Ah ouais, mais c'est pour ça aussi. On a remboursé tout ce qu'on devait rembourser en fait. Et du coup ça nous a monté notre... C'est magnifique. C'est magnifique, on est riche. Donc bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas afin de me le démontrer. Et puis à poster des astuces dans les commentaires ou peu importe, si vous voulez me parler, n'hésitez pas dans les commentaires. Petite info, la série Diversia, pour ceux qui suivent du Diversia, ne vous inquiétez pas, je vais reprendre, c'est juste que ça prend énormément de temps sur tout ce que je compte faire et ce que j'ai commencé à faire et que voilà, ça prend du temps. J'ai encore les études. On va dire mes vacances entre guillemets approchent doucement mais sûrement, donc je vais m'y remettre et comme ça bah, vous aurez des épisodes plus réguliers de Diversia. Pour l'instant bah, j'essaye de quand même donner du contenu avec des petites séries qui sont pas trop longues à faire et sur lesquelles on s'amuse autant, donc j'espère que ça vous plaît quand même. Et puis bah, moi ceci dit je vous dis à la prochaine, c'était Alex Schaff pour une vidéo sur Big Pharma. Qu'est-ce qu'on améliore pour la fin? Ben, je propose qu'on améliore ceci. Voilà, c'est parfait. Et puis, ben, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Alex Schaft. Ciao, ciao.